suivante, Joe. Tu entres sur les terres de Datadyne. Notre employeur veut que tu t'infiltres discrètement. Les méga-corporations n'aiment pas les intrus. La sécurité est stricte. Caméra, vaisseau laser, rien de vraiment infranchissable. Mais je suis là en cas de besoin. Commençons avec la Ragbot là-haut. Il a verrouillé la porte pour faire des réparations. Pas le temps de traîner. Détruis-le. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces trucs? Et d'un. Et de deux. Ok, continue. Un déclencheur à faisceau laser. Accroupis-toi et passe en dessous. Je savais qu'on aurait du mal avec la sécurité. C'est une blague? Toute cette sécurité juste pour protéger des caisses en bois? Enfin bon. Détruis-les, puis direction la porte. Le seul accès, c'est par ce champ de détection. Plonge au travers, tu ne risques rien. Vraiment à l'aise. L'esquive, c'est super pour éviter les tirs ennemis. Quand tu plonges, on ne peut pas te verrouiller. Tu approches d'une caméra de sécurité. Je l'ai déconnectée du système principal, mais elle peut fermer la porte si elle te repère. Place-toi à couvert sur l'indication de direction et détruis-la. Pour attaquer tes ennemis depuis un endroit sûr, hein? Il faut y aller. Hein? Je pensais que cet itinéraire était sûr. Poste-toi à couvert et élimine-les! Percutez et recharge! Je suppose que la sécurité de Datadyne commence à se douter de notre intrusion. J'ai pas accès aux commandes de la porte de devant. Tu vas devoir la pirater toi-même. Approche et sors ton info pirate. Tu vois ces blocs bleus? Ce sont des générateurs de logiciels anti-intrusion par contre-mesure. Glace en abrégé. Touche le curseur quand il passe au-dessus d'eux pour les éliminer. Touche un bloc blanc par erreur et il virera au rouge. Touche-le encore une fois et il te fera reculer d'un anneau. Élimine tous les anneaux de sécurité pour prendre le contrôle. Tu as berné la sécurité, Joe. Parlons de ta mission. Notre employeur voudrait que tu livres un colis. C'est une caméra espion. Elle est équipée d'une décharge électromagnétique pour griller l'électronique et d'un demi-kilo de cyclonite pour tout le reste. Feu d'artifice au bout de la gâchette. Guide la caméra espion jusqu'à l'unité centrale et explose-la. T'attendais quand même pas à une promenade. C'est bon. Maintenant, l'autre circuit. Beau travail, Joe. C'est le dernier. Thank you.
Joe. L'unité centrale est devant toi. J'arme les explosifs de la caméra espion. Les arachbots sont incontrôlables! Allez, allez! Fils de merde! À tous, évacuez la plateforme. Ce n'est pas un exercice. Joe, réponds. À toi. Nom de Dieu, Chandra! J'aurais dû poser ces explosifs moi-même. Bah, faut bien qu'on s'amuse de temps en temps. Cette explosion t'a fait perdre la tête, gamine! Jack, les arachbots sont devenus incontrôlables. Ils foncent sur Joe! Au boulot! On se retrouve là-haut. N'approchez pas, sales arachbots. Et vous, venez. Vous ne pouvez pas me laisser ici. Allô? Allô? Je sais maintenant ce que ressentent les cobayes. Je dois alimenter la porte. Si vous voyez d'autres de ces saloperies, descendez-les. Il est temps de sortir. L'ascenseur est par ici. Je crois que c'est par là. Ici les opérations. On a perdu l'accès à l'unité centrale. Quelqu'un connaît Visual Unix? Vous êtes avec nous, les gars! On fait une sortie vers l'ascenseur! Connecte au système de survie du labo. Occupe-toi de lui et sors d'ici. Attendez! Au secours! Tu nous en sers! Attrape des armes puissantes dans l'atelier de soins. Le maître
d'ici. Mais aussi vite que possible. Ça ne tiendra pas très longtemps. C'est bon, ça tiendra. On aurait pu sceller cet accès. Tenez bon. Le courant de l'ascenseur est rétabli. Tirons-nous. Intrus identifié. La cible a forcé l'ascenseur nord. Ne la laissez pas s'échapper. La sécurité va tomber dessus. Reste à couvert et descends-les. Reviens, Joe. On évacue la zone. Séquence de lancement automatisée enclenchée. Le personnel non essentiel doit être évacué. Réduction du flux en baisse de chargement. Cellule de carburant terminée. Évacuation équipe glace. Retour au décompte. T-30 secondes. Démarrage moteur auxiliaire. 25 secondes. Système de sécurité vérifié. 20 secondes. Soupape d'oxygène liquide fermée. 15 secondes. Transfert SLS terminé. 10 secondes. Démarrage moteur alpha. Il est temps de s'éclipser. Démarrage moteur beta. Démarrage moteur Charlie. Démarrage moteur. 5, 4, 3, 2, T-0. Nous avons décollé. Retour au décompte. T-30 secondes. Démarrage moteur auxiliaire. Elle nous prend pour cible. 25 secondes. Système de sécurité vérifié. 20 secondes. Fin de l'entraînement virtuel. Bah c'est des ménages. Soir, ce sera de vrais balles. Tu es prête? Ok, gamine. C'est l'occasion de me montrer ce que tu vaux. Chandra vient de raccrocher. Zegler, le chercheur après qui on court, a été enlevé par la pègre locale. J'ai surveillé leur communication. Ils veulent échanger ce Zegler à des gros bonnets contre un paquet de fric. Le genre avec plein de zéros, tu vois? Zegler a bien de la chance d'avoir des amis pleins aux as. Pas vrai, Chandra? Il a un ange gardien qui se fera un plaisir de débourser une petite fortune pour sa libération. Donc, Jack entre et récupère le type avant de l'échange. Pendant que je suis à l'intérieur, essaye d'identifier les gros bras qui surveillent la zone. N'oublie pas, cette arme, c'est uniquement pour ta protection. Reste planqué. C'est le meilleur moyen d'éviter les balles. Si vous avez besoin d'aide, la radio est là pour ça.
Jack, votre nom de code sera éclaireur. Joe, tu seras Dark Zero. Je vous attendrai avec le hors-bord pour évacuer. Une dernière chose. Si ça tourne mal, je veux que vous filiez vous mettre à l'abri. Moi, je peux me débrouiller seul. C'est compris ? Bien. Préparez-vous. Recontactez-moi quand vous serez en position. Comme une lettre à la poste. Jack a promis une extraction facile. Il aurait déjà dû appeler. Rapproche-nous, Chandra. Dark Zero ici, éclaireur. J'y suis. Dark Zero en position. La boîte est à Killian, un paralocal. C'est une couverture pour son business. Trafic d'armes, infiltration de clandestins, du sale boulot. Pendant que j'extrais Zegler, identifie les gros bras de Killian avec ton audioscope. Chandra vendra les infos que tu récupères sur le net. Reste à l'extérieur. N'ouvre le feu qu'en dernier recours. Ne te fais pas remarquer. Compris. Chandra, on y va. Tout est calme. Fais pas de bêtises, ok ? Perds pas de temps, gamine. Sois prudente. Un gros bras pas loin. Je suis devant la porte et cette beauté chinoise. Attention, tu es près d'un gros bras. Prends ton audioscope, vise-le et attends le résultat. Tu peux enregistrer l'identité de ce gros bras avec ton audioscope. Elle fait semblant d'être désolée et enlève ses boucles d'oreilles. Elle la joue cool et essaie de s'emballer. Moi je fais ouah, oh, du calme, on s'emballe pas. Il m'est arrivé la même chose la semaine dernière. Mais je me laisse pas piéger. Je la fais repasser et incroyable. Le détecteur réagit encore. Sensibilité mal réglée. Laisse-moi finir. Et ce coup-là, je vérifie vraiment. Très bien. Retourne au point de largage pour une extraction. Ah, tu vas voir la tête. Ici Dark Zero, identifiez-vous. Terminé. Quelque chose parasite la transmission de Jack. J'arrive pas à le contacter. Dark Zero, je suis sous le feu ennemi. J'arrive tout de suite. Portez. J'avais dit d'éviter les emmerdes, gamine. C'était avant que tu t'en mêles. Chandra, j'y vais. Il se déclenche à nouveau. Hein ? Y avait pas de... Attention, Joe. Le club est plein de civils et on ne peut pas se permettre de dégâts collatéraux. Déclenche l'alarme anti-incendie pour les évacuer. T'as pas l'impression qu'on nous observe ? Non. C'est quoi ton problème ? Je t'ai jamais vu aussi nerveux. T'as vu le match hier soir ? Bien sûr. T'as vu Furious ? Il était à fond. Bouge, trois. Plus d'un pouce ! Faut stopper cette fille ! Elle mitraille !
lunettes pour entrer. Viens, t'es là. Appelez la sécurité! Moi, j'ai entendu un coup de feu! Fume.
Jack est toujours au-dessus de toi, Joe. Continue de monter. Personne ne doit passer par là. On a une intruse! Oh, il est où? Vite, elle recharge! Oh! Mais tiens! Oh. Ne lâchez pas, les gars! Personne ne doit sortir! Aidez-moi à gagner du temps. Gardez l'œil sur Jack n'est pas loin. Continue. Ne lâchez pas, les gars. C'est ça, Joe. Tu es en plein dans son signal. Ça suffit, la sécurité est virée. Te fatigue pas, je m'en suis chargé. Ziegler ? Oui ? Je vais vous faire sortir d'ici. Vous pouvez marcher ? Je crois, oui. Combien tu veux que je te donne pour le laisser ici ? Répète un peu. T'as besoin d'argent, non ? Je sais pas combien il te file, mais je t'offre le double et tu te casses sans lui. La ferme, sinon je te plombe ta petite gueule d'ange. Non, allez, qu'est-ce que ça te coûte, vieux ? Le bien, le mal, on s'en fout. Tout ça, c'est du business. Combien tu veux ? Je réfléchis. Hein ? C'est pas vrai ! Il veut me vendre avec mes recherches à... Attends, je réfléchis. Je me demande si je devrais pas te descendre avant de mettre les voiles avec Ziegler. Ça va ? Impec ! Juste une épaule fracturée, une mission ratée et mon ego qui en prend un coup. J'ai besoin d'aide. Ce n'est pas à moi que Kilian en voulait, mais à mes recherches. J'ai fait des découvertes dangereuses qui ne doivent pas tomber dans de mauvaises mains. Il faut les récupérer ! Vous n'êtes pas en état de faire quoi que ce soit. Vous êtes blessé. On vous emmène à l'hôpital. Je n'irai nulle part sans mes papiers. C'est Carrington qui vous paye, n'est-ce pas ? Lui aussi veut mes recherches. Croyez-moi, aidez-moi et vous ne le regretterez pas, je vous le promets. C'est Carrington qui paie la note ? Chandra, c'est vrai ? Depuis quand on fricote avec ce genre de type ? Je ne veux pas de son fric. On ne peut pas se permettre de refuser, Jack.
Le compteur tourne et je facture à la seconde. Occupez-vous de protéger Zegler pendant que Joe récupère sa valise. Rejoignez-moi dès que j'aurai sécurisé la zone d'évacuation. Ça va pas. Kylian a pris le large. On a toute une armée aux trousses et Mademoiselle veut prendre les choses en main. Pas de panique. La valise de Zegler est balisée. Elle est gardée dans une planque près d'une station de métro désaffectée. Je guiderai Joe jusque-là. Allez, Jack. Reconnaissez qu'on a besoin de cet argent. Je déteste les mauvaises surprises. J'espère que tu es prête, gamine. Si c'est de l'action que tu voulais, tu vas être servie. On est perdu, petite. Trois contre une? C'est honnête. Joe, ça va? Je reçois plusieurs... Attention! Elle mitraille! Les motards sont enfermés. L'un d'entre eux doit avoir le pass. C'est minable comme arme. Avec une gonzesse. Tout va bien se passer. Plus de signe de vie. Brûlé en enfer, motard. Insérez le pass. Dégote-toi un pass ou suis la route que je t'indique pour utiliser ton kit de démolition sur le mur. Pouvoir exploser ça avec ton kit de démolition? Je ne sais pas ce qui me retient.
t'approches de la valise. Continue. Joli coup, elle est blessée. Chandra, tu reçois ça? C'est l'occasion de te servir de ton kit de démolition. Je pense pouvoir tourner la situation à notre avantage. Est par ici.
vois une qui bouge, là. Personne ne doit... On va lui apprendre à cette carte. J'y vais. J'ai besoin de couverture. Ok. Faut stopper cette fille. La valise de Ziegler n'est plus très loin. Ton signal est juste à côté. C'est une serrure électronique.